c'est mon échelle. Je sais bien, mais bon, moi, ça ne passe pas vers eux. Mon mari est d'accord. Je ne parle pas que. Vas-y, on va faire un jour à moi quand même, je crois. C'est Kiev. Taxi. Taxi. Ah oui, il va perdre un client. Oui. C'est sûr, le taxi va perdre un client. Oui, mais moi, je vais prendre un autre moyen. C'est dommage. Voilà. Le taxi va perdre un client. Allô, docteur King. Ouais, mais par contre, je vais prendre votre cabinet pour ne pas ces excuses. Des excuses manuscrites de votre part pour avoir traité chimiquement ma femme à haute dose. Oui, à haute dose de Abilify. Docteur King. Ouais, mais par contre, je vais prendre des excuses manuscrites de votre part pour avoir traité chimiquement ma femme à haute dose. Oui, à haute dose de Abilify. Oui, à haute dose de Abilify. Miné pour une pissotière. C'est fort. Je suis bien au centre marchand. Alors vous êtes en CMP 500 hein. Non, d'accord, oui, c'est exactement là où je voulais être. Voilà, je vous remercie. C'est Monsieur Rocher à l'appareil. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous venez d'avoir. Bonjour. Vous venez d'avoir ma femme au téléphone. Donc, oui. Elle aimerait bien se faire soigner par des professionnels. Donc, je suis à 100% avec elle. Et en attendant, pour des questions de mélodramatique que tout cet hôpital a inventé depuis longtemps, eh bien, je suis d'accord avec elle. Voilà. D'accord. Okay. Et donc, vous envoyez le message comme quoi que vous lui enlevez le dossier comme vous devez enlever son dossier de là-bas. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas des professionnels, vous êtes des grévistes depuis longtemps. Bonne journée. On vous remercie pas. Au revoir. Les études des enfants, travailler les enfants, ils ne comprennent pas. Je sais pas, ça devient. Ça va, ça devient jaune. Ça, franchement, cette tasse, je l'ai dans mon cœur. Franchement, merci Iris. Hein. Tu vois, ils t'ont vachement compris, ces gens-là, hein, non? Comme avec mon gosse. L'ont-ils compris seulement? Ah, ils ont rendu handicapé mon gosse. Hein. Ces gens-là, ils sont trop payés, monsieur le président. Ces gens-là, vous les payez trop. Moi, je dis, tu passes pas pour une tapette si tu tiens un balai, que tu fais la vaisselle, que tu fais les sols à la maison. Enfin, une tapette, c'est beaucoup dire, une tapette à rat, quoi. Voilà, donc fais pas gaffe au bordel, là, j'étends mes chaussettes. Hein. Et aussi, je suis en train de peindre. Voilà, j'ai expliqué ça à la curatelle de ma femme tout à l'heure. Alors, si vous aimeriez... parce que nous, en fait, nous on prend des médicaments, nous. Alors normalement, on n'a pas la forme. On n'a pas la forme de faire ça, quoi, tu vois. Donc on a demandé de l'aide au chalet HLM, bien sûr. On leur a demandé de l'aide. La réponse, c'est que oui, on va vous aider, oui. On va vous aider. Ça a miné ma copine, ça. Ça l'a fait miner. C'est sérieux, oui. Est-ce que tu aimerais vivre dans un appartement qui tu dors parce que tu as des médicaments, hein, tu dors, hein, ni plus ni moins. Hein. Tu dors, tu as des médocs, mais tu peux pas faire autrement, tu te reposes. Bon. C'est pas ce coup-là. La bougie, Bosch.
Bougibosch. L'excellence par l'excellence. La matière par la matière. L'endormissement par le médicament. L'ébauche. Prochainement en vidéo. Pardon. Toi, t'as continué ton chemin, Samuel Martin. Hey Samuel, c'est ta voix éternelle. Moi je me suis fait enfermer. Et toi, t'as continué ton chemin. Pas de famille. Et tu t'en l'es l'électricité avant. On m'en laisse plus que maintenant. Je travaille pour la vie, à cause de cette société qui enferme bien les gens. On trouvait une maladie schizophrénique. Christine, elle était pas descendue, tu m'avais dit. Non. Bon. Je sais que ça s'était arrangé entre vous. Bon, t'as des nouvelles, ma chérie. Je ne vous remercie pas. Au revoir. Voilà, donc on les remerciera pas. Parce que ça a été facile pour eux de te trouver une maladie, n'est-ce pas? Ça a été facile pour eux de jouer avec la sénilité de ton père. Eh bien, quelqu'un qui est sénile, à qui la gendarmerie de Saint-Aurore-de-Gubélie devra avoir honte. Donc il y a beaucoup de gens qui devraient avoir honte dans ce pays, sauf nous bien sûr. Et nous sommes d'accord avec nos propos. Quand la sécurité sociale s'apercevra de ce côté louche d'inventer des handicapés, eh bien peut-être on vivra un monde meilleur.